Alors, suite du programme. OK, bon, voilà, donc vos dernières questions en direct. Donc, je reprends. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à lever le doigt comme à l'école. Kevin dit une question qui n'a rien à voir. Tu es de la famille dans l'est de la France. Oui, oui, c'est bah oui, j'ai de la famille. Je suis originaire de Reims, dans le pays du Champagne, donc la ville des Sacres. Si vous connaissez un peu l'histoire, tous les rois de France, presque tous les rois de France en tout cas, ont été sacrés à Reims, dans la cathédrale de Reims. Donc, c'est une ville absolument chargée d'histoire. Et donc, j'ai toujours de la famille à Reims. Donc, voilà, j'ai vécu 20 ans à Reims et je retourne de temps en temps pour aller voir la famille. Ah, André a dû nous quitter. Bonsoir, André. Franck dit, je ne peux pas parler pour l'instant à cause de la TV. Je l'ai vu sur YouTube. OK. Kevin, une question qui n'a rien à voir. Oh, c'est j'ai dit. J'adore, dit Kevin. Très bien. Je suppose que c'est Sanctuary. Original, dit Franck. Kevin, je dois partir. Merci pour cette soirée. Je viendrai la semaine prochaine. Tu en fais aussi le jeudi. Non, alors le jeudi, c'est en fait, à peu près, enfin, une fois par mois, il y a les ateliers qui correspondent soit au marin d'eau douce, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait au moins un mois de marin d'eau douce. Donc, les ateliers marins d'eau douce, les cardia-plaisanciers ou les capitaineries, enfin, chaque fois qu'il y a une formation avec atelier, il y a des ateliers en ligne une fois par mois. Mais le jeudi soir, non. Les agora, c'est uniquement le mardi soir à partir de 20h30. Okay? Mais donc, effectivement, on pourra se retrouver avec plaisir la semaine prochaine. Sachant que si vous êtes déjà inscrit, puisque vous êtes déjà inscrit en fait à cette séance, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire. Il suffit de recliquer sur le même lien avec lequel vous avez accédé à cette séance. Et vous accéderez directement à la séance de la semaine prochaine. Donc, si vous changez d'adresse email entre-temps, bah, évidemment, c'est mieux de vous réinscrire. Mais en fait, de toute façon, je vais vous renvoyer un email demain avec la rediffusion des vidéos, puisqu'en fait, là, j'ai découpé, pendant que je parle, je découpe la vidéo en plusieurs tranches, en plusieurs morceaux, ce qui fait que chaque point, c'est une vidéo indépendante les unes des autres. Et donc, vous pourrez voir ça donc sur la chaîne YouTube et je vous envoie un email demain pour vous dire que les vidéos sont effectivement sur cette chaîne YouTube et je vous détaille tout ce qu'on a vu ce soir quoi. Okay? Et donc dedans il y a aussi le lien pour vous inscrire à la prochaine séance. Donc si vous êtes déjà inscrit à cette séance-là et que vous n'avez pas changé d'adresse email entre-temps, c'est pas la peine de vous réinscrire. Alors, une question d'Eric, est-ce qu'il y a une règle pour l'accompagnement? Alors, il y a plusieurs règles, effectivement, pour l'accompagnement. C'est une bonne question, très bonne question même. Donc, par exemple, quand j'ai accompagné Blowing the Wind, en fait, le truc, c'est que je ne savais pas du tout que la chanteuse allait prendre cette chanson dans ce style-là, parce que ce n'est pas du tout la façon originale de faire le morceau. Si je vous fais un petit partage d'écran juste pour que vous puissiez voir la différence pour ceux qui connaissent pas bien le morceau, Blowing the Wind. Donc ça, c'est vraiment une version très spéciale, très personnelle. Et moi, Bonjour. hop là, pardon, j'en connais une autre version qui est vraiment beaucoup plus proche de l'original, qui est celle-ci. Je vous en passe juste un extrait, hein. Tac. Donc là, je joue avec un harmonica en ré. Dans le concert, je joue avec un harmonica en do, il me semble. Sur cette démonstration, je joue avec un harmonica en ré. Clairement utilisé en folk à cause justement de son son très puissant, ça déménage. Ok, c'est parti. Blowing in the wind. Donc ça, c'est plus la version originale, en fait. Ça ressemble un peu plus. Before she sleeps in the sand, how many times?
as the cannonballs fly before the forehead of man. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Okay. Donc ça, c'est plus comme ça que je le connaissais. Et en fait, le truc, c'est que j'avais déjà appris ce morceau à l'harmonica. J'ai un harmonica en si bémol, enfin, peu importe. Quand elle l'a chanté, en fait, je me suis dit, bah, alors, de quoi est composé ? Donc, en fait, j'avais les accords. En fait, quand j'apprends un morceau, j'en parle pas énormément pour l'instant parce qu'on travaille pas le. Enfin, pour ceux qui connaissent déjà un peu l'improvisation, en fait, on écoute aussi les accords qui passent et on retient aussi les accords. Ça permet de savoir quelle note on peut jouer. Et en fait, j'avais déjà savais quels étaient en gros les accords qui étaient joués par l'accompagnateur. Et aussi, quelle note je pouvais jouer. En fait, c'est un morceau en do, en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est en première position. Donc, les notes que je peux jouer là-dessus, c'est de ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et donc, en fait, en entendant, je me suis dit, bah, en fait, je vais faire des phrases qui sont complémentaires des accords qui sont joués et aussi qui utilisent ces notes de ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me suis pas amusé à faire des notes altérées, des choses comme ça, puisque en fait, il suffisait de faire des notes naturelles. Quoi. Donc, je fais quelques effets, mais sinon, le gros de ce que je fais, c'est des notes naturelles. Et en fait, le truc, c'est que bah, j'écoute ce qu'elle fait, et puis après, c'est l'inspiration qui fait que je place des phrases. Donc en fait, là, une des règles quand on accompagne, c'est déjà de pas écraser le chant. Si on peut faire, comme fait Sonny Terry tout à l'heure, des petits hydro, par exemple, choses comme ça, en fait, pendant qu'elle chante, et ça fait juste une nappe comme ça d'harmonica. Mais si elle fait moi par-dessus, je vais pas faire hein, parce que sinon, on va dire, ben, il écrase tout, quoi. Donc, faut être complémentaire par rapport au chant, c'est-à-dire que, en gros, quand elle a fini de chanter, c'est à moi de jouer, et quand j'ai fini de jouer, c'est à elle de chanter, quoi. En gros, c'est ça. Bon, sauf que, effectivement, on peut aussi finir, après, on peut faire ce qu'on appelle. Enfin, c'est un peu comme des pièces de puzzle, c'est-à-dire que, imaginons, elle chante, et puis alors qu'elle est en train de finir sa phrase, moi, quick, j'attaque directement ma propre phrase. C'est-à-dire que je me dis pas, c'est bon, t'as fini, en caricaturant, quoi, c'est bon, t'as fini, à moi maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, pendant qu'elle blowing in the wind, the answer is blowing in the wind, pendant qu'elle fait wind, ben, je peux commencer une nouvelle phrase. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça, il y a un lien, une espèce de charnière entre les deux, entre ce qu'elle chante. Et ce que je vais jouer, la charnière, c'est la note qu'on fait en commun. Donc ça, c'est aussi une façon de faire. Quoi. Et donc, il faut, après, les règles qu'il faut observer, c'est que rythmiquement, il faut que ça ressemble aussi à quelque chose. Que le débit des notes aussi soit à peu près le même. Si elle fait pam pam padam patadam padadam et que moi, je me mets à faire non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il s'énerve comme ça? Alors qu'elle fait tum, ba, na, na, non, pas du tout. Je vais avoir le même débit de notes. Pam, ba, na, dam, ba, da, dam, pa, ba, pardon. Voilà, des choses comme ça, quoi. Donc, soit je reprends des petits bouts de la mélodie, soit je tourne autour. Et là, il y a plein de cours en improvisation, justement, pour apprendre à tourner autour des notes. De temps en temps, je peux faire aussi des accords. De temps en temps. Mais j'essaie toujours d'être complémentaire par rapport au chant, d'avoir le même débit de notes, à peu près les mêmes rythmes. Et puis voilà, quoi. Puis après, c'est l'inspiration qui vient. Quoi. OK?
C'est ça, en gros, les différentes règles à respecter. Tu voulais ajouter quelque chose, Eric, ou c'est bon pour toi? C'est bon? Ok. Ça, c'est bon. Je relis les questions. Bernard, le son n'est pas terrible. Le son de quoi, Bernard? Pour ceux que tu as passé avant. Ah bon? Là où tu passais, que tu jouais, tu sais, là. Le dernier morceau que tu as passé. Ah oui. Mais le son n'était pas terrible. Ouais, je sais. Ben, en fait, c'était pris avec une caméra bas de gamme et repassé par la chaîne YouTube et repassé par ce micro. Donc, je vous mettrai le lien quand même sous la vidéo pour que vous puissiez l'écouter un peu mieux. Et c'est vrai que j'ai pas la possibilité de vous passer des vidéos en direct. Je crois pas d'ailleurs. Donc voilà, ben, je vous remettrai le lien effectivement sous la vidéo. Ok, promis. Alors, Alain dit quels sont les noms des notes altérées, trou numéro 1, numéro 2, etc. Ça, c'est une question d'Alain. Qui veut répondre à cette question? Eric, peut-être? Ouais, quelqu'un qui connaît bien les notes altérées? Allez, Eric, admettons. Eric va répondre à Alain. Donc, Alain et Eric, je vous laisse discuter entre vous. Ouais, à demain. Alors. La question... Note altérée, le 1 altéré, c'est un do dièse. Voilà. Alors, une chose quand même que je précise, c'est que quand on, dans les cours, on ne parle pas de notes réelles, mais on parle comme si l'harmonica était en do. Je sais que ça peut choquer. J'ai beaucoup de questions là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, je coupe votre micro et je retenne la parole à Eric et Alain juste après. Je dis ça pour ceux qui sont là ce soir et ceux qui nous regardent en rediffusion, c'est que souvent on me dit mais pourquoi vous dites que le 1 soufflé c'est un do alors que moi j'ai une très bonne oreille et quand je souffle j'entends un si bémol. Oui, c'est un si bémol. Ah bon, mais pourquoi vous l'appelez do alors? C'est ridicule, pourquoi vous l'appelez pas si bémol? Parce qu'en fait, le fait de dire do ré mi fa sol la si do, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que une bonne fois pour toutes, j'apprends une manière de nommer les notes sur l'instrument, ce qui fait que si je passe d'une tonalité à l'autre, j'ai pas besoin de retenir plein de tablatures différentes, parce que si je prends par exemple un harmonica en do ou un harmonica en sol ou un harmonica en ce que je veux, j'ai quelques harmonicas ici, par exemple j'ai un harmonica en fa grave, tac, fa grave, et j'ai aussi par exemple un harmonica en sol, bon, voilà. Bon, et ben, si je dis par exemple, j'ai une petite mélodie sympa, bah, blowing, vomine, dont on parlait tout à l'heure. Et puis on me dit, ah bah, c'est bien joli que tu saches le faire sur un si bémol, mais le groupe, nous, on le fait en sol, quoi. Ah ouais. Alors du coup, je me dis, attends, faut que je retienne. Alors moi, les notes, j'avais appris ça sur le si bémol, donc je vais transposer les notes pour l'avoir en sol, donc je transpose tout. Alors il y a combien de tons entre si bémol et sol? Ah ouais, il y a un ton et demi, donc je baisse tout d'un ton et demi. Ah ben non, il faut que je relève d'un ton et demi, comme ça, si l'harmonica, la tonalité baisse et que moi j'augmente, du coup ça rééquilibre. Donc en fait, j'augmente tout. Enfin, c'est tout un calcul pour finalement faire quoi? Pour faire quoi finalement? Ben là, j'ai fait aucun calcul. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai refait exactement la même chose que sur l'harmonica en si bémol. J'ai fait 6 souffler, 6 souffler, 6 aspirer, etc. J'ai refait exactement la même chose. Et du coup, l'harmonica, comme c'est un instrument transpositeur, il transpose aussitôt. Comme il fait, tout simplement, il est accordé en sol, celui-là, il est accordé en si bémol. Et si je fais les mêmes mouvements sur l'harmonica en fa, et bien, du coup, il transpose aussitôt. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de me casser la tête. Donc, en fait, plutôt que d'apprendre les notes réelles sur tous les harmonicas, j'apprends une bonne fois pour toutes de ré mi fa sol la si do. Et quand je joue sur l'harmonica en si bémol, je pense sol, 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 la, mi, fa, sol, mi, ré, do. Sol, 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 la, mi, fa, sol, mi, ré, do. Sol, 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 la, sol, fa, sol, mi, ré, do. Donc, vous voyez, chaque fois que je le chante, je ne suis pas du tout sur la bonne tonalité et c'est l'harmonica qui transpose lui-même. Okay? Donc, plutôt que d'apprendre les notes réelles, de tout transposer pour qu'au final je refasse les mêmes mouvements d'un harmonica à l'autre, ben j'apprends que le 1 soufflé c'est do, que le 2 soufflé c'est mi, etc. Okay, donc
les notes que va donner Eric, les notes altérées, ce sont les notes qu'on apprend. Et il faut savoir que ces notes-là ne sont pas forcément les notes réelles. Ok, donc on t'écoute, Eric. Je repasse le micro. Alors, en 1 altéré, nous avons quoi comme note? Le Do dièse. Voilà, Do dièse ou. Ou le Ré bémol. Ré bémol, super. En 2 altéré, alors on a combien de notes en 2 altéré? On a 2, on a l'altéré une fois, altéré deux fois. Alors là, en 2 fois, on a le Fa. Voilà, et une fois. Et une fois, le Fa dièse. Ou Sol bémol. Voilà, donc par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, qui disent de quoi ils parlent là, c'est qu'en fait, si j'aspire dans le 2, j'ai un Sol. Si j'altère une fois, ça fait un Fa dièse. Et si j'altère deux fois, voilà, ça fait un Fa. Par quelle magie on réussit à faire ça? C'est grâce au positionnement. Okay. Alors, dans le 3, qu'est-ce qu'on a? On a combien d'altérations dans le 3? 3. Voilà, Jean-Louis a raison. Donc, en fait, on en a une dans le 1, 2 dans le 2, 3 dans le 3. Facile à se rappeler. Alors, quelles sont les altérations dans le 3, le nom des notes? Le 3, 3 fois, c'est le Sol dièse. Oui, ou? Ou le La bémol. D'accord. Le 3, 2 fois. Le 3, 2 fois, c'est le La. Oui, le 3, une fois. Et le La dièse. Ou le Si bémol. Voilà. Quand je dis ou, c'est parce que les deux notes, la même note peut avoir deux noms différents, mais le produire le même son. OK. Dans le 4, est-ce qu'on a 4 altérations? Une. Ça suffit. OK. Une seule. Donc, c'est lequel? Do dièse. Le dièse ou? Ou Ré bémol. Voilà. Donc, c'est la même chose que dans le 1, sauf que c'est une octave plus haut, c'est-à-dire dans le registre médium cette fois. Dans le 5. Tu veux le verbe low en 4? Non, on verra ça plus tard. Alain, il se renseigne sur les altérations inspirées, mais les verbes low, on verra après. Si tu fais le malin, je te parle des verbes low. Allez, OK. Parce qu'on peut. Ouais. Cela dit, si tu veux jouer sur les overblows, on a aussi les overblows en 2 et en 3. Hein, ça existe. On verra ça plus tard. Donc, altération dans le 5. Qu'est-ce qu'on a comme note en altérant dans le 5? On a une altération, mais on n'a pas de note. Voilà, exactement. Donc, effectivement, c'est dans le 5. En fait, en soufflant, on a un mi, en aspirant, on a un fa. On n'a pas de note dans la musique occidentale entre mi et fa. Pourtant, sur l'harmonica, on est quand même capable d'altérer. Voilà, ça fait une fausse note en fait, ça fait une note qui est située à un quart de ton, à mi-chemin entre les deux. Donc c'est un effet sympa quand on veut faire, plutôt que de faire. On peut faire. Mais ce n'est pas une vraie note, effectivement. OK? Dans le 6. On a un Sol dièse. Oui, ou. Ou un La bémol. Ou La bémol, très bien. Et c'est tout. Voilà, on a donc 9 notes dans altéré, donc en 1 altéré une fois, enfin altéré, 2 altéré une fois, 2 altéré deux fois, 3 altéré une fois, 2 fois, 3 fois, 4 altéré, 5 altéré, 6 altéré. Super, bravo, merci Eric, très bien répondu. Voilà Alain, 9 nouvelles grâce aux altérations. Merci Eric. Franck dit quand puis-je commencer la formation complète? Ce soir. J'ai reçu le courrier, donc je mets ça en place ce soir. Voilà. Sachant qu'il faut effectivement, je précise pour ceux qui commencent le cercle des Marnaud 12 ou la formation complète, il faut impérativement un harmonica en Si bémol. De Alain à tout le monde. Comment faire pour retrouver un rendez-vous du canal 16 avec toi? Existe-t-il un lien pour voir la réservation? Je ne crois pas, non. Je ne sais pas. Je n'ai jamais pris de rendez-vous avec moi. Donc, il faut le noter. Parce que tu as pris rendez-vous et tu ne sais plus quand, c'est ça la question? Oui, il me semblait que j'avais un rendez-vous ce matin. Ah, c'est mais bon, j'ai rien retrouvé, ouais. J'ai rien retrouvé, donc j'ai dit, bon, mais non, j'ai dû changer. Ce matin, non. Maintenant, c'est la semaine prochaine, je crois. Je regardais. J'ai un autre. Je regardais. Ben voilà, c'était pour savoir comment on faisait, pour si on pouvait retrouver un rendez-vous. Quoi. C'est jeudi, c'est jeudi matin. Ouais, mais ça, je sais, c'est le dernier que j'ai mis, mais je pensais que j'en avais un ce matin, c'est pour ça. Non, ce matin, il n'y avait pas.
Bon, ben, il faut le noter au moment où tu prends rendez-vous. Quoi, mais je ne pense pas qu'il y ait possibilité de... Ni peut-être, Eric. Non, la question est très bonne parce que j'ai essayé de retrouver et j'ai rien trouvé aussi pour avoir le numéro. Merci, Eric. Donc, c'est, en fait, la question, c'est comment je fais pour retrouver la confirmation d'un rendez-vous ? Non, non, pour avoir la possibilité de prendre le rendez-vous. Ah, de prendre le rendez-vous ? C'est ça la question ? Ah non, moi, ce n'était pas ça, moi. Hein. Prendre le rendez-vous, il y a un lien qui existe déjà, ça. Il est où ? Alors, je vais vous montrer ça. Bonne question. Dans l'accueil. Oui, exactement. Je vous montre ça. Donc, quand vous allez sur le site armodiatojazz.com, ça m'a un peu temps chargé parce qu'on est en direct, voilà. Juste en dessous de l'accueil, vous avez premier contact. Tac. Et quand vous cliquez sur premier contact, vous avez une présentation de votre site harmonica. Et voilà, vous avez réservé une plage horaire dans mon agenda. Vous le cliquez là-dessus. Voilà. Et donc, vous choisissez dans l'agenda la plage horaire qui vous convient. Tac, par exemple ici. Voilà, vous avez votre prénom, votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, votre Skype. Vous cliquez sur « Je ne suis pas un robot » et confirmez la réservation. C'est alors, là qu'il manque un commentaire. Il manque un commentaire, c'est-à-dire. Mais pour quelle raison on veut un rendez-vous ? C'est pas les vidéos, je vais voir. Attendez, je coupe votre micro parce que ça commence. Effectivement, je vais voir s'il y a possibilité de mettre un commentaire pour la raison des rendez-vous. Le truc, c'est que généralement, enfin, oui, ben, ok, je note ça. Je vais noter ça ici. Après, je vais voir si raison du rendez-vous. Je vais voir s'il y a possibilité de recevoir une notification. Voilà. Une notification de la date et de l'heure du rendez-vous. Ok, je vais regarder ça. Ok, bon, très bien. Donc, qui dit Franck dit le jeu est le même sur tous les harmonicas, quelle que soit une tonalité, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on joue exactement la même façon, on fait exactement la même chose. Alors, pour les altérations, c'est pas exactement la même chose, mais bon, ça, Franck n'en est pas encore peut-être aux altérations. Hein. Et, les altérations, c'est à partir du 7e module. En fait, les altérations, c'est presque la même chose quand si on change de tonalité d'harmonica. Il faut juste réadapter un petit peu la hauteur de la langue parce que, ben en fait, quand, si par exemple, j'aspire en 1 sur un harmonica en Ré, ben comme l'harmonica est très aiguë, l'anche est très petite. Et si j'aspire en 1 sur un harmonica en Fa grave, comme l'anche est très grande, ben du coup, il va falloir que je mette plus de pression. Donc, la position de la langue n'est pas tout à fait la même d'un harmonica à l'autre. Mais c'est une réadaptation qui est assez rapide. Quoi. C'est un peu comme quand on change de voiture, on n'est pas obligé de repasser le permis à chaque fois. Quoi. Mais sinon, après, pour ce qui est des notes naturelles, c'est exactement la même chose. Ce qui fait que des fois j'hésite un peu, c'est parce que je suis tellement habitué d'entendre, pour moi, le do. Pour moi, c'est ça. Et si je prends un harmonica en sol et que je fais ça, je suis bien dans le do. Ah oui, parce que forcément, je joue à 90% dans 80%. Oh, je vais y arriver. Dans 90% des cas, je joue sur le si bémol. Donc quand je passe sur le sol, je ne suis pas habitué à entendre ça. Mais je fais exactement la même chose, quoi. Okay, donc c'est ça l'avantage de la technique des instruments transpositeurs, c'est que j'apprends une bonne fois pour toutes les notes. Et alors il y en a qui me disent oui, mais ça me gêne de dire do ré mi fa sol la si do, parce que c'est pas vraiment do ré mi fa sol la si do, c'est pas naturel. Ben, si ça vous gêne de dire do ré mi fa sol la si do, vous dites splix blux blag splug si vous voulez, ou rouge bleu vert, enfin peu importe. Hein. Vous pouvez dire les mots que vous voulez.
Simplement, une fois que vous avez fait la correspondance, vous retenez ça. L'avantage de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est que c'est des monosyllabes. Ça, j'explique ça dans les cours. Mais parce que si je dis si bémol, ça fait trois syllabes. C'est difficile quand j'ai une mélodie. Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Do. Si je fais si bémol, Ré, etc., c'est un peu plus difficile à retenir. Donc, le fait d'avoir que des monosyllabes, c'est plus simple. Voilà. Et alors après, il y a aussi, vous allez me dire peut-être, c'est bien joli, mais quand on altère et quand on joue un do dièse, alors il y a bien trois syllabes. Et ben moi, j'utilise une technique. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Eric, non. Je sais pas, je vous ai pas parlé de ça. Le fait de pouvoir retenir des notes avec des monosyllabes, c'est que, je peux vous montrer ça si vous voulez, en quelques minutes. C'est qu'en fait, parce qu'en fait, le truc, c'est souvent on me pose la question, mais quand vous retenez une mélodie, est-ce que vous retenez le 3 soufflés, 4 soufflés, 4 aspirés? Ben non, parce que pour retenir une mélodie, je préfère avoir la mélodie, la chanter, et je la chante avec le nom des notes. Donc, si j'ai des notes naturelles, eh ben, je pense Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Si je prends des notes, alors quand j'ai une note naturelle, on sait aussi que dans le grave, le Fa n'est pas naturel, le La n'est pas naturel, mais on va dire les notes, enfin, dans le médium, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ce sont des notes naturelles. Bon. Et si je veux faire des notes avec dièse, avec un dièse, bah en fait, si je dis Do dièse, je vais retenir deux mots. Et c'est très difficile pour moi de si j'ai une chanson qui fait mi ré Do dièse, bah si je pense Do dièse, je vais penser deux notes, alors qu'en fait il n'y en a qu'une. Donc en fait, je c'est un truc que j'ai trouvé et j'étais tellement fier d'avoir trouvé ça. J'ai dit, ah ça y est, j'ai breveté mon invention. Et j'ai commencé à en parler autour de moi, dire ah ouais, je sais quoi, je connais, ça s'appelle ça a déjà un nom en fait, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est pas grave. J'ai redécouvert quelque chose. Alors l'idée, c'est que je remplace la fin de la note avec un autre son. Donc moi je dis E pour dièse, parce que dans dièse on a un E, on a un E accent grave. Donc je dis des, je pense des, ré, mais, fait, celle, il n'y a pas besoin d'accent grave pour écrire celle, les, c'est. Donc, si vous le pensez, mi, ré, do, dièse, quand je chante une mélodie, je dis mi, ré, dé. Comme ça, je retiens plus facilement la mélodie, je sais que dé, c'est do, dièse. Okay. Et quand je fais une note, je retiens une note avec un bémol, donc note avec un bémol. Donc pareil, je ne vais pas dire si bémol, c'est trop compliqué. Je dis E. Donc là, c'est un bémol. Je pourrais dire, je pourrais prendre le E sans aigu, mais entre D et D, des fois, on se plante un peu. Donc je dis E. Je dis de, re, me, feu, seul, le, ce. Voilà. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Mais voilà, donc si j'ai un si bémol, au lieu de faire sol, la, si bémol, je fais sol, la, ce, et comme ça, je retiens que le ce, c'est si bémol. Voilà, donc c'est comme ça que je retiens mes notes, mes mélodies, et comme ça, si je retiens avec le ce, si j'ai sol, la, ce, do, ré, mi, fa, sol, ben je sais que j'ai un si bémol, j'ai un mi dièse, un fa, etc. Donc en fait, je retiens à chaque fois que des monosyllabes. Donc, si le E et le E, ça vous gêne, vous pouvez dire Da, Rama, Fa, Sol, La, Sa, et puis Di, Ré, Mi, Fi, Si, Di, Si, si vous voulez. L'idée, c'est de... Ou d'autres mots, hein, vous pouvez très bien inventer d'autres mots si ça vous arrange. Mais l'idée, c'est d'avoir simplement des sons monosyllabiques en tête, ce qui fait que c'est plus simple d'avoir comme ça. Vous avez directement les notes. Et puis, comme vous savez, à force de jouer, vous savez que le Do, par exemple, c'est 4 soufflés, ou 1 soufflé, ou 7 soufflés, ou 10 soufflés. Et après, je ne me pose plus la question, quand je joue une mélodie, je ne me dis pas « Ah ouais, tiens, attention, c'est un Do, attention, il faut que je joue en 4 soufflés. » Je pense Do, je suis dans le médium, je joue 4 soufflés directement. Et du coup, ça me permet d'aller beaucoup plus vite pour retenir les morceaux. Et quand je joue sur un autre harmonica, je n'ai pas besoin de me casser la tête, je pense les mêmes notes, et c'est l'harmonica qui transpose pour moi, en fait. Okay, voilà.
Ok. Question de Jean-Louis. Juste une question concernant les ateliers des altérations inspirées. Quand est-ce qu'on aura le prochain? Car le dernier auquel j'ai participé m'a bien fait progresser sur les altérations. Maintenant, c'est une fois par mois, donc c'est la première semaine de chaque mois. Donc le prochain, ce sera la première semaine de chaque mois. Ok. Donc je vous renverrai un mail, mais ce sera donc du coup début avril. Et alors j'ai trouvé une manière de, parce que alors ça les ateliers, bon ça sort un tout petit peu du cadre de l'Agora, mais puisqu'on me pose cette question, jusqu'après, alors en fait ce que je faisais avant avec les ateliers, c'est que j'utilisais une autre plateforme avec laquelle je pouvais télécharger l'enregistrement de l'atelier, faire un montage et remettre les ateliers dans l'espace membre, et je n'avais pas de perte de qualité d'image ni de son. Avec Zoom que j'utilise en ce moment là, c'est la même plateforme que j'utilise pour les ateliers. Quand je passe par un bon de montage, ça dégrade complètement la vidéo, ce qui fait que c'est tellement pixelisé à mort que moi-même, je ne m'en reconnais pas. Donc, c'est dire si ça pose problème. Et au niveau son, c'est pareil, ce n'est pas terrible non plus. Et en fait, dans ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que j'ai mis ça directement sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez, pour ne pas passer par un bon de montage et que vous puissiez avoir le lien directement. Sauf que j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous avaient du mal à se connecter à YouTube ou en tout cas avaient du mal à voir la rediffusion malgré mon invitation. Et finalement, j'ai trouvé une autre solution. C'est une autre plateforme qui s'appelle Vimeo sur laquelle j'héberge déjà tous les vidéos de cours. Et en fait, du coup, je téléverse directement les vidéos sur Vimeo. Et ensuite, quand je les mets sur l'espace membre, je n'ai pas de perte de qualité d'image ni de son. Du coup, je vais faire ça pour les prochains ateliers. Les anciens, je vais les mettre comme ça, je vais tout récupérer, ça va me donner un petit peu de travail, donc ça va me prendre un peu de temps de le faire. Mais pour les prochains ateliers, je ferai ça, c'est-à-dire que je mettrai ça sur Vimeo, et puis ensuite, donc vous l'aurez peut-être 2-3 jours après, le temps de faire le travail, mais comme c'est une fois par mois, bon, ça faisait pas 3 jours après, j'imagine. Et vous, comme ça, vous retrouverez directement la vidéo sur votre espace membre, parce qu'il sera plus facile pour vous d'y accéder. Ok. Question d'Alain, est-ce que les altérations sont plus compliquées que l'octave split ou l'octave slab ou le tongue blocking, etc. En fait, parce que Alain est en train de travailler ces techniques. Ce qu'on appelle le slab ou l'octave split ou l'octave split pour faire. L'octave split, ça permet de transformer son harmonica en accordéon. Vous avez un cours là-dessus, si vous voulez faire ce genre de son. Vous avez un cours, donc c'est. Alors, quand vous allez en fait sur dans le site, vous avez une partie qui s'appelle formation dans le menu à gauche. Et quand vous cliquez sur formation, vous arrivez logiquement sur le catalogue des formations. Et dans les cours à la carte, vous avez. Il n'est pas là. C'est bizarre ça. Où est-ce que je l'ai mis? Ah! Bah, où le cours sur l'octave split est... Ah oui, pardon, c'est ici. Ah oui, alors c'est un peu bizarre que ce soit dans les formations solo, je crois que je vais l'ordre de le déplacer. Donc, ça s'appelle octave split et octave slap. Voilà, et donc vous avez le cours ici. Je vous remettrai le lien. Attendez, il y a un petit problème. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, bon, il y a un problème de lien apparemment, je vais noter ça. Je remettrai ça dans le catalogue. Donc, effectivement, c'est un travail assez difficile parce que faut positionner sa langue différemment, bloquer plusieurs ouvertures avec la langue et faire passer le son par autre part que la manière naturelle de jouer l'harmonica. Enfin, c'est vrai que c'est un travail un peu difficile. Le travail des altérations, est-ce que c'est plus difficile que ça? Je pense pas. Je peux laisser les élèves témoigner sur la difficulté des altérations. C'est pas le même principe que l'octave split ou slap. C'est un travail quand même avec la langue quand même. Donc il faut quand même imaginer ce qu'on fait. Donc il y a plusieurs techniques qui existent pour faire des altérations, mais en fait il faut savoir positionner sa langue et donc faut imaginer ce qu'on fait, ce que la langue fait dans la bouche quoi.
Donc, c'est ça qui est un peu difficile au début. C'est qu'au début, on se dit, tiens, j'ai réussi à faire ça. Puis un jour, puis le lendemain, j'arrive plus. Puis le surlendemain, j'y arrive de nouveau. On ne sait pas pourquoi. Ben, parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on a modifié avec la langue et il faut avoir conscience de ça. Donc, c'est effectivement un travail un peu… on y arrive quand même, quoi. Mais c'est vrai que c'est ce travail-là qui est un peu difficile au début parce qu'on se dit, mais… qu'est-ce que je fais, mais comment on fait pour altérer, est-ce que... Donc, il y a quelques techniques qui existent, puis après, on essaye de voir ce qui marche pour soi et ce qui ne marche pas. Donc, je ne vais pas dire que c'est facile, hein. Je mentirais de dire que c'est quelque chose de très facile. C'est la pierre d'achoppement de l'harmoniciste, c'est la partie difficile de l'harmonica, parce que, encore une fois, je peux très bien regarder où j'en suis dans si je joue les notes soufflées ou aspirées naturelles. Attends, là, je suis bien dans le cadre, je me repère, etc. Donc, même visuellement, on peut éventuellement se repérer un peu. Quand on fait des altérations, si je fais ça, qu'est-ce que j'ai changé ? Ben, personne ne peut le voir parce que c'est juste la position de la langue, en fait. Donc, c'est ça, en fait, qui est un peu difficile. C'est qu'il faut imaginer ce que fait la langue dans la bouche, évidemment, elle ne peut pas être ailleurs. Donc, mais j'explique tout ça en vidéo, hein, la position de la langue par rapport aux dents, par rapport au palais, etc. Tout ça, c'est expliqué. Mais c'est vrai que c'est un petit travail à faire et c'est vrai que ce n'est pas la partie la plus simple de l'harmonica. Une fois qu'on a dépassé ce cap, après les overblows, etc., bon, c'est d'autres techniques, mais ça tourne à peu près autour du même principe. Mais c'est vrai qu'au début, ça, c'est un passage un peu difficile. Est-ce que certains veulent témoigner sur la formation, sur les altérations ? Jean-Louis, peut-être ? Non, pas forcément. Eric, non plus ? Non, pas plus que ça. Sur la difficulté de... Pour rassurer Alain, Eric, sur la difficulté. Je pense, c'est vrai qu'au début, trouver la position au début, c'est un petit peu barbant. Et une fois qu'on l'a, après, c'est un petit peu instinctif. Alors que je pense que le tongue blocking, on a toujours des positions différentes où c'est pas le cas dans les altérations. Enfin, je pense pas. Une fois qu'on l'a, on l'a l'altération. Je veux dire, on se pose plus la question. Alors, en fait, le tone locking, c'est pareil. Hein. Une fois qu'on a compris comment ça marche, on peut faire n'importe quelle note en tone locking, quoi. Alors, si certains regardent la rediffusion, ils vont dire, mais tout à l'heure, il a dit qu'il ne gonflait pas les joues, il n'arrête pas de les gonfler. c'est parce que le mouvement de le langue est complètement différent et la manière de tenir le mic est complètement différente. Mais, et donc, en fait, ce n'est pas que je souffle, que je gonfle, que je rétrécis les joues quand je souffle, quand j'aspire, c'est juste le mouvement de langue qui fait ça. Parce qu'en fait, il y a la langue qui bloque certaines notes et on vient faire passer l'air ailleurs. Enfin bon. Mais en fait, une fois qu'on a figé le tongue blocking sur une note, après, on peut le faire sur toutes. L'altération, une fois qu'on a compris comment altérer le 4, ben, ce n'est pas la même chose que pour altérer le 3, le 2 ou le 1 ou le 6 ou le 5. Donc, c'est effectivement un peu plus de travail. Et comme dit Eric, c'est un peu barbant au début. Moi, j'avoue que je comprends ce que dit Eric, hein, parce que quand j'ai commencé à faire les altérations, moi, il y a longtemps, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je travaille ça ? Mais pourquoi je m'embête à faire ça ? Après tout, je connais le piano, je sais jouer de la flûte, je suis compositeur, ça va, j'en sais suffisamment. Pourquoi je m'embête avec l'harmonica ? Pourquoi je ne prendrais pas un harmonica chromatique là où il n'y a pas besoin d'altérer ? Bon. Et puis finalement, en prenant l'harmonica chromatique, je dis « Ah oui, mais ça, je ne peux pas le faire, ça. Ah ben ça non plus, ouais, bon, puis ça m'énerve. » Et puis dans 15 jours, j'ai arrêté l'harmonica, puis j'ai écouté quelqu'un en jouer, je me suis dit « Ah non, c'est trop génial cet instrument, il faut absolument que j'apprenne à en jouer. » Et du coup, je me suis remis, mais c'est vrai que c'est un peu difficile, c'est un peu décourageant au début parce qu'on se dit… j'y arrive pas. Et puis après, quand on y arrive, bah ouais, après, comme dit Eric, ça devient un réflexe, quoi. Et après, il y a même des fois où je joue des morceaux, je dis, oh, bah, ça va, c'est simple, il y a que des notes naturelles là-dedans. Et puis quand j'écris les partitions, je dis, non, c'est pas naturel, ça, c'est un 4 altéré, oh, bah, ça, c'est un 6 altéré. Donc, en fait, on le fait tellement naturellement qu'on se rend plus compte, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, oui. C'est vrai qu'au début, il y a quand même cette difficulté. Oui. Pour rassurer, la première altération, c'est difficile. C'est vrai que tu mets pas mal de temps, hein, une semaine, voire plus. Mais une fois qu'on a compris le système de la langue, le 5, le 4, le 3, ça va beaucoup. Enfin, le 3, c'est encore autre chose. Mais les autres, on a déjà une idée de la position de la langue. Donc, ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus facile. Il ne faut pas se décourager. Si on galère pour la première, on galère beaucoup moins pour les autres. Enfin, c'est mon avis. Hein. Ah oui, c'est excepté clair. Le 3. Non, le 3, c'est pas que.
c'est pas que ce soit beaucoup plus difficile, c'est le problème dans le 3, c'est qu'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a trois altérations. Voilà. Donc le moindre. En fait, il faut savoir que l'harmonica, c'est un instrument qui a été inventé par. Vous vous rappelez par qui? Quel était le métier des inventeurs de l'harmonica? Horloger. Ben voilà, des horlogers. Donc, l'horlogerie, hein, si vous avez regardé un horloger travailler sur une montre, il ne prend pas un gros marteau, un burin pour réparer une montre. C'est extrêmement fin, quoi. C'est de l'ordre du dixième de millimètre à chaque fois. Donc, c'est des gens qui ont des gestes extrêmement précis. Et c'est pareil, quoi. Si je bouge la langue d'un demi millimètre, ben, ça peut tout changer. Alors, on va dire, mais c'est la folie, mais j'y arriverai jamais. Ben, si, on est capable d'y arriver, quoi. Après tout, quand je change, si je décale de quelques millimètres sur l'harmonica, pour faire des notes naturelles, ben c'est pareil, j'entends plus le son, j'entends deux sons différents, donc c'est aussi une question de millimètres. Sauf que là, au lieu de se déplacer latéralement, ben on déplace la langue différemment, mais c'est vrai que la difficulté du 3, c'est que comme il y a trois positions différentes de langue quand on joue des altérations, ben évidemment, ça accroît un petit peu la difficulté. Mais comme dit Eric, une fois qu'on a pigé le truc pour le 6 altéré, ben après, c'est de l'affinage pour les autres, quoi. Mais au moins, voilà, au moins, on a compris le truc. Le Gaëtan, par exemple, qui avait un mal fou à faire les altérations pendant longtemps, elle ne comprenait pas comment on les faisait. Une fois, on a fait un atelier ensemble, l'avant-dernier atelier, je crois, où ça y est, enfin, elle a obtenu sa première altération. Elle m'a dit, bon, maintenant, bah, j'ai un peu de mal à faire les autres, mais ça y est, je commence à altérer dans les autres. En fait, une fois qu'on a pigé le truc pour la première, après, il faut affiner les positions. Et encore une fois, toutes les vidéos sont là pour le montrer. Et puis, les ateliers aussi sont là pour vous aider, et puis vous donner des trucs aussi pour vous permettre d'altérer. Donc, je ne vais pas dire que c'est simple. Mais c'est pas insurmontable. Eric parle d'une semaine ou deux pour la première altération. Certains mettent un mois avant de jouer la première altération. Puis après, une fois qu'on a, encore une fois, cette formation-là, elle dure 6 mois. Donc au bout de 6 mois, on est normalement capable de jouer toutes les altérations inspirées, quoi. Après, il reste la justesse. Effectivement, parfois, les notes sont pas très justes. Donc on continue de les travailler. Moi-même, hein, je continue de travailler mes notes régulièrement. Alors avant, je faisais ça une demi-heure par jour. Maintenant, j'en fais ça 5 minutes par jour avant de prendre l'harmonica. Je règle mes notes parce que je dis, tiens, oh, mon overblow est un peu bas aujourd'hui, tiens, je remonte un petit peu, ah, l'altération, tiens, je la trouve un peu haute. Enfin, c'est des petites choses qu'on affine, et voilà, en 5 minutes, ça y est, on reprend ses notes. Et puis aussi le fait que comme c'est une histoire de pression, des fois, on est un peu énervé ou on s'est pas levé du bon pied le matin, ou je sais pas quoi, donc on a un peu de pression qu'on met dans le visage ou dans le corps. Et puis, du coup, on altère un peu trop, alors du coup, il faut recorriger un tout petit peu. C'est vraiment un petit affinage à faire à chaque fois. Voilà ce que je peux dire, ce qu'on peut dire sur les altérations. OK ? Merci, Eric. Voilà. OK, vous avez d'autres questions ou on s'arrête là ? C'est bon pour tout le monde ? Oui ? OK.